Et bonjour à toutes et à tous, ici Super Rage pour vous faire la suite de notre let's play découverte de Jak 3 sur PS2. La dernière fois on a commencé le jeu, donc petit rappel de ce qu'on sait. Jak a été exclu d'Abbeville avec un procès pas excessivement équitable. Et nous sommes arrivés à Spargus, où le chef du coin nous trouve dangereux et du coup trouve qu'on va l'intéresser. S'en est suivi une séquence avec une machine, avec de l'écho. Mais bon, on n'en sait pas grand-chose parce qu'évidemment, Jak, hein, avoir des infos, c'est pas totalement ça. Et donc, nous avons une mission. Je me suis souvenu qu'on avait un onglet mission sur le menu. Nous allons parler à Clever, comme je sais plus qui c'est. Je me demande si c'est pas le gars qu'on a rencontré au tout début, après le tuto. Donc, on y va, on verra bien. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que ce let's play a été très bien accueilli. Donc, même si je risque de souffrir, je suis content que ça vous plaise. C'est l'essentiel. Tiens, tiens, voilà les petits nouveaux. Cause toujours, gros plein de soupe. On verra bien. Ferme-la, face de rat, ou je t'écrabouille. Oh, ça sent vraiment pas la rose. J'ai trois mots à te dire. Brosse à dents. Chouette bolide. Ils sont cool, hein? On s'en sert pour aller au fin fond du désert et y récupérer des objets. Engins d'enfer pour boulot d'enfer. Et on les essaie quand? Excellente question. Mais pas de cela. Ça, c'est pour les grands garçons. Vous, vous pouvez prendre celui-là. Ah, le taco! Il est fait pour toi. Monte, Dax. Je conduis. Qu'est-ce que tu dirais de pimenter un peu la course? Si tu gagnes, tu pourras garder ce petit bolide jusqu'à la fin de tes jours. Et si je gagne? J'ai rien à proposer. Ton rongeur de malheur est un peu maigrichon, mais sur du pain et du beurre, j'en ferai bien mon 4 heures. Mon bolide contre lui. Oublie ça, mec! Jak ne ferait jamais! Ok. Quoi? T'inquiète pas, s'il y a bien un truc où j'assure, c'est la course. Ouais, alors si c'est les courses de Jak, si c'est quand il y a les courses de Jak 2, c'est pas dit qu'on y arrive, grand, mais bon. Suis les commerces clintins sur la carte. Ok. Et les contrôles, c'est... Ok. Caresser pour freiner, d'accord. Pour l'instant, ouais, ok. À part accélérer, on n'a pas grand chose. Tiens, elle doit foncer pour aller derrière. Oui. Mais. J'ai pas tout compris là, mais ok. Attends, il faut que je m'arrête dessus ou... Je comprends pas tout ce que je fais, mais on va dire que c'est normal. Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant, par contre. Ouh. D'accord, c'est ce genre de physique. Oh putain, on dirait les véhicules de Borderlands. Oh, je sens que ça va être galère, cette merde. Intéressant. Enfin, c'est le genre de physique que, de contrôle qu'ils ont pris pour Jak X. Ah, ça va être marrant quand on le fera, tiens. Alors, j'ai pas compris ce que c'était le tuto. Ah, mais va pas trop vite! Je dois essayer d'appuyer sur rien pour sauter sur place. D'accord. Finissons-en. D'accord. Et minimum en plus, cool. Bon, ça a l'air plus fun que les courses de Jak 2 déjà, ça c'est cool. Oh putain.
Parfois la maniabilité ça va être compliqué. On aurait pas dû sauter, c'est pas grave. Non, j'aurais. Les dérapages sont vraiment extrêmement. On peut recommencer. Oui. Je vois qu'il y a un chrono là-haut, j'espère qu'il n'y a pas des récompenses pour faire un chrono de fou, parce que disons sinon on va pas être rendu. En vrai ça va, c'est relativement maniable, peut-être un peu trop par moment. Excite celui qui joue maniabilité sur ses terres, mais passons. Ok, donc on peut accumuler jusqu'à 3 boosts en même temps. Et du coup on a une barre de vie, il va y avoir des armes à un moment donné. Je vois qu'il y a un triangle rouge de tout le monde, donc ça va être clever. Donc je sais pas si on doit forcément arriver premier ou juste pas de clever. Par contre en vrai le jeu il se joue bien sur PS4, j'avais un peu peur après ce qui s'est passé avec Jack 2. Donc je suis content. Parce que... Jack 2 ça a tellement été un enfer à paramétrer sur l'émulateur parce que la version PS4 ne fonctionne pas ou très très mal. Le bon passage peut être passé par la boue, parce que c'est un peu beaucoup ralenti. Voilà, là on est bien. Yes. Je sais pas si on peut couper le circuit, donc je préfère pas au cas où je me mange un nom du jeu. Regardez le boost, pour l'instant on est bien. Pas mal d'avance. Ouais, le cycle aujourd'hui est toujours automatique comme dans Jack 2, ça c'est cool. C'est anecdotique mais j'aime bien qu'il y ait des cycles aujourd'hui comme ça. Ça rajoute un peu de vivant je trouve au monde qui nous entoure. Sachant que ta maniabilité comme ça, ça risque de poser problème sur certains circuits. Mais ça va, les courses de Jack 3, j'ai moins les appréhender que celles de Jack 2. Je sais pas ce que c'est, cette grosse étoile bleue qu'on voit au fond. Sympathique toi, ça fait plaisir. Alors, où est-ce que je dois aller? Ah, la carte de la zone est immense en vrai. Bon, du coup, les flèches vertes, on sait que c'est les oracles, donc on va éviter de les faire, parce que ça va être plus chiant qu'autre chose. Ah, la zone est... C'est un grand désert, mais c'est immense. Je comprends pourquoi est-ce qu'on nous file un buggy pour se déplacer. Du coup, on doit aller là-bas. On va regarder l'onglet mission, ce qu'il propose. Parler à Damas, d'accord.
Bah, Damas, Damus, appelez-le comme vous voulez. Vu qu'on a vu qu'il y avait une inconsistance entre ce qui était dit à l'oral et ce qu'il y avait dans les outils. Ah, d'accord. On peut se faire attaquer embusqué comme ça. On va éviter. Tant que je ne peux pas me défendre à d'autres véhicules, on va éviter. Joli coup de volant. Mon assistant prétend que tu assures question pilotage. Je me débrouille. Il pourra nous être utile, Damus. Tu devrais le garder pour l'instant. Vraiment, Pecker? Il y a pas mal d'objets à récupérer dans les terres pelées. Les récentes tempêtes ont soulevé le sable, ce qui a exhumé des objets enterrés depuis des siècles. Prends le véhicule et trouve un maximum d'objets avant que la prochaine tempête n'éclate. Et autre chose, si la tempête te surprend, tu peux faire ta prière parce qu'elle te réduira en poussière. Ah bah super! Bonjour les encouragements! Comment les deux ont fait des rimes, mais je sais pas si c'est fait exprès, si c'est voulu ou quoi. On peut avoir un plus gros véhicule maintenant que je l'ai battu, l'autre couillon là? Genre le gros là avec une mitraillette, non? Je sais pas. Ok, bon bah, tant pis. J'ai déjà vécu en époque, mais non, bon, on va juste les éviter pour l'instant. Ils visent comme un Stormtrooper, moi ça m'arrange. Voilà un objet, cool! Va au prochain objet, Jack! Au moins, ils ont quand même bien réussi à éviter ça. C'est cool. N'est-ce pas le van de Sly? Parce que les courses avec le van dans Sly. Au secours. Alors, je parle du van de Sly 1, mais le tank de Sly 2, c'est pas mieux. C'est pas extrêmement amphibie, ça. Génial! Encore de la câblette! Dégage! Le véhicule est assez tanky, en vrai c'est cool. Olé. Faut juste survivre jusqu'à la base. La tempête s'est levée d'ailleurs. Je pense que c'est scripté. J'aimerais qu'on crève pas avant, ce serait cool. La tempête empire. J'avais remarqué, Daxter, j'avais remarqué. On y est presque! Bien joué, c'était juste. Oh, alors ça vous intéresse? La musique. Ce sont les objets qui m'intéressent. Nous en ferons bon usage. L'armure que vous avez trouvée est très rare en fait. Pecker affirme que c'est celle que Mar portait lorsqu'il se battait pour défendre cette planète à l'époque. Vous en aurez besoin.
Croyez-moi, c'est certain. Donc il y a des armures dans ce jeu. Ok. Alors par contre, Damus, je l'apprécie vraiment pas. Et vu l'icône, afin qu'on retourne voir notre ami la dernière fois. Viens à toi. Même s'il faut juste faire deux pas. Vous êtes encore là? Ouais, on voulait se balader, bronzer un peu. Ce n'est pas un jeu. Je suis Sim. Nous, les moines, avons juré de garder les secrets des précurseurs. Ces lézardosaures nous permettent de nous rendre où tu ne peux aller. Oh, quel drôle de mélange! On a vu un troupeau de kangourous il n'y a pas longtemps. Oh, sale bête! Ils se sont assis et... Ah, ah, oh. Vous ne ferez pas long feu là-bas. Le cristal d'écho noir du satellite. Je le veux avant qu'il n'atterrisse entre de mauvaises mains. Battez mes moines et leurs lézardosaures à la course et vous aurez un cristal blanc. Sienne comme Taba. Allonge, allonge. Et où elle est la ligne de départ? Donc c'est le jour des courses en fait. Ouais, partez! Prends ça, face de clown! Si je regardais la caméra, ce serait mieux. Enfin la map plutôt. Continue! Ouais bah je préfère les courses avec les véhicules en fait. Parce que les courses à d'autres débitis c'est pas... Après quand même quand on voit les lézards de rue, je me dis que ça vraiment ils ont vraiment inspiré du BBT qu'ils avaient, que Nintendo qu'on fait sur, sur Crash à l'époque. Je me dis des courses à d'autres débitis ça pourrait être cool dans un prochain Crash. Bouger. Oh. Allez le moignon. Non. Ah mercredi. On était bien là, c'est dommage. À vos moines, prêt, partez! J'ai pas fait gaffe à vos moines. Continue! T'es sérieux, Daxter? Par contre, ouais, contrairement aux courses de véhicules, il y a vraiment moyen de cutter dans la ville de manière très très sale. Par contre, si on connaît la ville dans ses moindres recoins, ça doit vraiment aider. En vrai, Spargus a l'air quand même un peu mieux construit que Briville. Mais vu qu'on peut vraiment sortir de la ville avec le grand désert, la ville est plus petite. Donc en soi, c'est un peu mieux pour s'y retrouver. Enfin, ça n'engage que moi. Par contre, les airs de russe, il va pas droit. Il faut toujours que je redresse le stick. Là, on tourne. Là, il faut sauter. Voilà, nickel. Ah, mais... Voilà la ligne d'arrivée! Ah, dommage. Les collisions, les collisions. Partez! Prends ça, face de clown! Bouge de là, crâne d'œuf!
Mais je me coince dans n'importe quoi, c'est horrible. Genre. Salut le moignon. Ouais, non, j'ai fait le con. J'ai raté le cercle et en fait, je voulais vérifier si, même si on rate un cercle, si le premier qui activait le cercle ou les autres en fait. Et du coup, je me mets pour attraper les cercles en même temps derrière. Je vais faire big jump là. Peut-être pour faire un big jump si on time bien ses sauts et l'atterrissage en fait. C'est quoi ces boosts qu'ils ont les Gugus là? Continue. Ils sont censés aller à la même vitesse quand même. Je crois. Voilà. Ça te calme, tête d'écaille. Dégage, sale bête. Bien, le héros. Le cristal est à toi. Associer les cristaux blancs et noirs génère de puissantes énergies. Fais très attention, et lorsque tu mourras, aie la gentillesse de m'y rendre. J'en ai pas l'intention. Pourquoi ça t'obsède à ce point? Voilà pourquoi. L'étoile du jour approche, et elle brille de plus en plus. Le jugement dernier de cette planète est imminent. Donc quelque chose me dit qu'il va falloir qu'on utilise l'écho pour empêcher la fin du monde. Ouais, classique. Alors, est-ce que le point veut dire qu'il faut qu'on retourne voir Monsieur Clever? Il faut qu'on retourne voir Monsieur Clever. Même endroit que tout à l'heure. Même endroit que tout à l'heure. Eh ben, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ouais, ça fait une petite vidéo, mais... Mais on a fait pas mal de choses. En vrai, il y a eu pas mal plus d'action que la dernière fois, donc c'est cool. Et quand en fait le jeu se découpe en missions comme dans Jack 2, on va arrêter les avant que... Comme je ne sais pas s'il y aura des longues missions ou pas, je vais faire peut-être parfois des petites vidéos, du coup parfois des vidéos plus longues en fonction de ce que j'aurai à faire. Et c'est aussi parce que IRL va avoir beaucoup plus de temps à consacrer à mon tournage aujourd'hui. Donc on va s'arrêter ici, on va s'arrêter là, juste devant la porte. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, comme tu le petit like, commentaire, partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson, le Discord en description, et je vous dis à bientôt pour la suite de Jack 3. Salut !